Alors, première partie contre un troisième Dan, on va lui dire bonne partie. On a deux pierres d'handicap et il a 0,5 de commis du coup. Donc, soit on prend le troisième coin, ce que je pense que je vais faire, soit on va approcher son coin. Mais en vrai, le troisième coin, un petit komoku, c'est pas mal, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de partie à handicap. Sachant que même le tournoi de ce week-end, par exemple, c'était à égalité. Mais c'était pas commentaire. Comment ça, pas commentaire? On va. Moi, je vais solide. J'avais dit que c'était commentaire les streams du mardi? Les commentaires que je fais en général, c'est hors stream. La vidéo, la seule vidéo pour l'instant que j'ai fait en commentaire, c'était hors stream. Ici, c'est très tentant de venir pincer hein, pour faire une extension. Ah ouais. Pourquoi ça a mis ça? Ouais, bon, partie et commentaire, il y a marqué, ouais. Bah, je commence mes parties, quoi. Mais oui, c'est mal dit, ouais. Faut que je corrige ça. Désolé, ouais. Oui, si on va clairement pincer, hein. Y a pas de. Je sais pas pourquoi on s'en priverait, on a une bonne position derrière. Ouais, non, c'est. Bon, je vais réparer ça tout de suite. Partie commentée en ligne. Hop là, voilà. Mais bon, c'est trop tard sur les trucs. Oups. Zut, zut, zut. Et contre-pince. Ce qui est faisable, mais compliqué parce que noir est solide derrière. Ouais, c'est pas facile pour lui là, de faire ça en vrai. Est-ce qu'on tape dessus? Est-ce qu'on saute? Est-ce qu'on s'étend? Parce qu'on prétend, comme il a fait assez loin. Il peut pas passer au tout pour connecter. Il faudrait qu'il soit en C10 pour ça. Donc, qu'est-ce que ça donne ça? Tac, tac, tac. Jamais hein, ça. Soit il s'écrase pour venir connecter, et moi je fais un mur. Soit il va être enfermé rapidement et on aura un mur aussi en fait, tout simplement. Ok, du coup il tente comme ça. Donc son plan c'est que je fasse atterrir ici, il répond. Non, je fais atterrir ici, il fait atterrir là, je capture, il connecte, il me laisse un Podouki, ce qui est très fort. Et j'ai les SNT, je peux encore sortir d'une manière moche, hein, certes, mais j'aurai un seul groupe faible et lui deux instables également. Je sais pas si c'est très très bon. En vrai, il faut répondre ici, je pense. Ouais, il est obligé. Ici, on protège. Salut, Alex. Alex Allen Anelson. I'm fine, and you? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Si je vais là, il fait atterrir ici, tac tac, et il vient me prendre. Donc non, je n'ai pas le droit. Alexa. Alexa Nelson. Ah, ok. Sorry. Salut Kinugo, ça va? Un problème. Good, good. Alors, ici. J'avais Zogi. Pretty fine. But, glad to begin a new session. Hop là. On va faire la gueule tigre. Et là, on a vraiment une forme sympa. Ah, est-ce qu'on lance un co? Après, on n'a aucune menace de co, donc c'est un peu débile. Non, ça me sert à rien de lancer un co ici, on est d'accord. Il capture et. J'ai pas vraiment de suite en fait.
On va plutôt jouer ailleurs. Le boulot est fait, on a un mur. On va venir pincer ici. Il se retrouve avec un groupe ici, un groupe là, c'est chiant. I followed you on Twitter as well. Oh, thanks you. 5, 1, 2, 3, 5. I don't think so. Je pense pas à Zoggy, hein, sinon... Il l'aurait fait. Elle l'aurait fait. Alors, il tente une sortie comme ça. Est-ce que ça marche pas tout simplement de venir comme ça, moi? Tac. Descends, je vais là. Et s'il fait la taille, bah, je descends, mais s'il continue... Ah non, grâce à cette pierre, ça marche pas. Ok, c'est intéressant. Je vais faire un Bushi. Ça attaque un peu les deux. Et il n'y a pas de bonne manière de venir couper efficacement, j'ai l'impression, ces deux groupes. De toute manière, là, il faut vraiment continuer à séparer les formations de blanc. Comme il a un coup de main au début, c'est compliqué. On va continuer à séparer. Hein. Et ici, s'il coupe là, on continue. Donc il ferait année ici, j'imagine. On D13. Et s'il fait ça, si on fait l'Atari, il sort. Et qu'on fait atterrir ici, il peut venir là, on capture et il prend le chicho. Donc ça serait embêtant. Donc s'il joue ici, peut-être qu'on refait année nous également. On fait atterrir là, puis atterrir ici, tac, il descend, mais nous il y en aura un autre. Compliqué. On va déjà voir, est-ce qu'il va jouer vraiment là? Je pense. Hein. Ça semble pas si déconnant. Il réfléchit. Il réfléchit, il réfléchit. You are a mini designer for your Twitch channel. Nope. Nobody. It's a homemade. But for Go, it's enough, I think. Tac tac tac. Alors, pourquoi il joue pas? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il joue pas. S'il joue année ici. Peut-être qu'on pourrait venir en D14. Qu'est-ce que ça donne? Parce que même s'il fait l'Atari qui revient connecté, nous on pourrait faire Atari ici, donc c'est coupé. S'il recule, on pourrait venir là. Ouais, non, c'est pas évident pour lui. Si je joue, si je réponds en D14. Ça semble pas si mal. Ouais. Je sais pas à quoi il réfléchit là du coup. Je sais pas à quoi il réfléchit. About what? Et la coupe. La coupe, c'est un peu compliqué quand même. Il coupe, je vais en obi en D13. Et. S'il fait atterrir de ce côté pour absolument sortir ses pierres, ça affaiblit ça, et en plus ses pierres sont pas encore sauvées. Et s'il fait l'autre côté, bah, c'est me donner un gros territoire.
C'est pas facile pour blanc, j'ai l'impression. Ah, il réfléchit beaucoup là par contre. Aïe aïe aïe. Je sais pas trop quoi dire du coup en ce temps-là parce que bah, on est encore vachement au début. En vrai, c'est compliqué sa position, ouais. C'est. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ici? Après cette séquence, bien sûr. Ce sera impératif de faire un Shimari, j'imagine. Ou venir approcher de ce côté, faire le plus gros bord. En fait, c'était bizarre qu'il contrepince directement ici. C'était le tout début, il se met direct en mode combat, difficulté. Il savait même pas vraiment comment j'allais jouer les choses et tout. Ah, c'est bon. Ok. Alors, effectivement, s'il descend par ici, par exemple, c'est SNT. S'il va là, tac, il peut aller là. Donc je fasse attention à ces formations, il y a des points de coupe quand même. Par contre, est-ce que c'est SNT d'une manière ou d'une autre? Là, j'imagine qu'il a lu plein de choses. Ce qui est bizarre, par contre, c'est... Il va rien vouloir lâcher, là, ça... Ça donne envie d'aller dans la forme, en fait. Je joue là, il vient ici. Donc il est connecté. Et là, je recule. Et en fait, ces trois pierres, on sait pas trop à quoi ça va servir. Ou alors, je connecte direct ici. Très solidement. Mais il peut descendre ici, je descends. Si, ça peut être dangereux si je lance le coup à n'importe quel moment. C'est marrant, c'est pas la première fois qu'il y a un anglophone qui vient me proposer pour des. pour des bannières, tout ça. Et là, je recule ici solidement. No thanks. Tac, tac, tac. Alors, comment il sort de cette merde? Il vise ce point de coupe, je pense. Pour l'instant, j'ai le chichot. Donc il est obligé de sortir, c'est pour ça que j'essaie le plus solide possible. Parce que là, il faut sortir d'abord pour réveiller ces trucs-là. Et je protège ma coupe. D'une manière ou d'une autre. C'est dangereux, hein, parce que la base de vie ne sera pas vraiment créée. Là, je connecte. Hein. La base de vie est vraiment pas créée encore, il faudrait ajouter un coup. Et ici, il me renforce vachement pour attaquer ces pierres. C'est très dangereux ce qu'il fait. À tout moment, je peux venir jouer en D18 et je suis vivant. Ou sortir, ou venir ici. Donc j'ai plusieurs solutions encore, donc ce groupe n'est pas en danger. Le seul truc qu'il faut que je surveille, c'est ça, je trouve. Pour l'instant, on a le chichou. Il essaie de me faire faire une erreur ici. Si je fais ça, il fait atterrir là, tac tac, il pousse là, je le sors, et il peut couper. Donc en vrai, je vais protéger ma faiblesse par ici. Et s'il fait atterrir ensuite ici, je sors. Est-ce qu'il a le guetta? Oui, il a le guetta, ouais. Hein. Comment on fait ça? Ou alors on protège en jouant un coup par ici. C'est pas évident. Après, en soi, là je protège, même s'il me coupe là, je laisse cette pierre pour l'instant et je vais par ici. Et je coupe.
ça semble être une bonne solution. C'est clairement ça qu'il vise, hein. Si je fais le double année, comme je dis, il atterrit ici, tac, et il fait atterrir de l'autre côté, je réponds, et il coupe. Alors on va pas laisser ça se faire. On va juste couper. Et dire, à n'importe quel moment un jour je pourrais sortir là si tu le captures pas. Et tes deux pierres là, elles sont en danger. Là je peux jouer G15. Donc il va sûrement sortir en G15, quelque chose du genre. Mais s'il répond par là, je peux jouer F12 aussi par exemple. Ce qui ferait qu'ici c'est un faux œil, donc ce groupe n'a pas encore d'œil. Après c'est pas n'importe qui en face, un hein, 3 dan, donc on va voir. Mac est là. Hi. How are you? Beaucoup d'anglais ce soir? Ou anglophone? Tac tac tac. C'est pas évident, hein, franchement. En vrai, il faut reculer. Hein. Ouais. Et ici, soit je sors comme ça. Ah non, j'ai toujours pas le chicho, je suis un peu bête. Ou alors je fais ça. Il capture. Ce qui m'embête avec ça, c'est qu'avec la capture, ça renforce quand même sur l'extérieur. Donc ce sera un peu dommage. On va juste le pousser par ici. On le pousse par là, tac, ça me fait faire une belle connexion naturellement. Donc il recule du coup. Hmm. Il recule, il recule. Comment on fait ça? Est-ce qu'on protège en B17, sachant qu'il n'y a pas vraiment de territoire à défendre ici, parce que pour l'instant il y a ce groupe. Ou est-ce qu'on peut jouer par exemple E16? Il reculerait comme ça. On peut aller là, tac. Ouais, ici. Non, c'est compliqué. Ou alors on ferme. Parce qu'il faut penser à ce groupe quand même. Ça peut être une solution. On coupe directement, hein, y a pas de soucis. Là, ça réveille des coups comme F16, des trucs genre. F17, peut-être même. C'est bizarre de jouer H14 là. S'il joue ici, c'est double atari donc. Et moi, ça me donne une forme un peu plus solide que mon Kema, qui lui était coupable pour le coup. Alors... Il va falloir rajouter un coup un jour ou l'autre ici du coup. Je sais que là ça se voit, il a envie d'attaquer ça, mais rien que B17 c'est un coup d'attaque sur ça. Et en même temps il protège son groupe. Ou C17, je sais pas. Mais... C17 peut être pas si mal aussi. Parce que je réponds quoi? B17. Il répond en B18. Je reviens protéger. Il va en D16. Même si j'ai l'atari, je devrais revenir un moment. Et après, il fait une forme, je sais pas. Ici, je vais pas refuser. Il y a quand même un beau potentiel à créer. Il décide de vivre de ce côté plutôt que de d'essayer le coin. Du coup, j'ai ça gratuit. C'est plutôt cool. Et on va approcher par ici. C'est ici que Noir a un gros potentiel. Donc on va approcher haut, là. On a besoin de force sur l'extérieur, en plus, avec ce qui se trame par là.
Après, oui, pour l'instant, c'est lui qui fait des points. Mais il en fait pas beaucoup et il donne de la force pour l'instant. Donc les points, ils vont se créer naturellement au bout d'un moment. Il va pas pouvoir continuer des situations comme ça indéfiniment, surtout que là, il est pas encore vivant. Selon comment ça se passe ici, il pourrait perdre le Shisho. Il réfléchit beaucoup. D'accord. Dans ce cas-là, j'ai envie de jouer aux 4 qui menacent de descendre ici pour créer un gros territoire potentiel. Et en même temps, c'est le briseur de Shisho, non? Ouais, c'est un briseur de Shisho. Est-ce que j'ai le droit de faire le AD? Il fait la gueule de tigre ici, je protège, il fait atterri, tac. Il me fait descendre, tac. Et il a droit, ouais. Donc on va juste faire AD. On accepte, hein. Et il descend, comme ça, ok. On va sortir ici, hein. On attaque hein, directement. Faut prendre le lead de la partie. En plus, ça aide un peu d'autres groupes au nord. Donc c'est parfait. Il décide de sortir ici. Si je joue ça, il y a des chances... Non, il peut pas couper. Donc on va jouer là. Et s'il joue au-dessus, on continue. Ça menace de faire beaucoup de points ici. En fait, le problème se déplace à chaque fois pour lui. Et ici, il n'y a pas tant que ça de points pour l'instant, ça va. On va jouer là. Et on joue dans la forme, même s'il coupe, nous on peut aller là. Voir faire Atari, non c'est pas fou. Si on va sortir quand même, ça menace vachement de faire un Toby vers là. C'est trop compliqué ce jeu, je ne sais pas ce que je fais ici. C'est vrai qu'il est dur comme jeu. On va faire la forme. On va sortir là, par exemple, quelque part par là. Et ce qui est compliqué pour lui, c'est... c'est toi qui le tire. Salut, Crow. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ouais, non, je peux pas me désintéresser tout de suite du problème ici. On va... Toby, Kema... Toby, plutôt. Et ce qu'il y a, c'est que quand je sors ici... C'est compliqué pour ces pierres quand même. Beaucoup de noirs qui accueillent en plus. Le temps c'est comme le talon au go, j'en manque. Ah, ça c'est les enfants. Oh, non. Non. J'espère que c'est pas un escapeur. On va attendre 2 minutes. En espérant qu'ils reviennent. Du coup, ouais, ça va quand même, Crow, du coup? Ah, il est revenu. Bon, ça va. C'était un bug. Vous me dites hein, si la musique est trop forte et tout. Normalement, ça va, je crois. Et si ma voix aussi. La fatigue, ouais. Zut. Ton dos, tout ça, ça va mieux? Tu disais que c'était dur? Ça va. Ouais, moi ça va, merci. Alors, c'est pas santé, du coup, je vais sortir par là.
Si je fais ça, tac, tac. Non, il y a Geta tout simplement, donc je suis obligé de sortir moche comme ça. Parce que souvent, pour sortir d'un futur Geta, un coup comme ça en Toby, c'est pas mal. Ça... Mais là, comme il a une pierre plus loin, ça marche pas très bien. Donc il faudrait faire L13, qui n'est pas très joli. Le 2 tient jusqu'à la prochaine fois. Ouais, bon, je connais ça, t'inquiète. Bon. Ça va pas te rassurer plus que chose, mais... Alors, on va sortir ici... Laissez ce problème plus tard, parce que même cette pierre ne fait pas vivre pour l'instant non plus. On veut juste embêter en fait au maximum. Ici il peut pas couper. S'il va en G13, je vais en G12. Il peut pas aller là. Et s'il va ici, je fais Atari, il connecte et je vais là. Donc ça va. On sort en Dobby. Très solide. Si je fais un Toby, ça semble risqué. Et ça menace de faire quelque chose de sympathique qui vaudrait presque tous les petits ensembles qu'il a fait. Donc il faut juste être patient en fait. Ici, on va sauter. On va faire attention à notre groupe. Ah, ça le bien. Et il vient là. C'est pas un peu risqué ça? J'imagine qu'il a calculé. C'est ça. Tac, il va là, je vais là, il va là, je vais là, il coupe. Et nous on irait là, il y a double atari, ouais c'est embêtant. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être embêtant. Donc il faut aller là. Il connecte. Hop. Alors, on va passer parce que là il y a une intro à la musique. Une longue intro, c'est plus de 2 minutes. Ouais. Et il est reparti. Ah! Ça bug beaucoup chez lui, je pense. Zut. C'est pour ça qu'il utilise autant de temps depuis tout à l'heure, en fait. Peut-être pour ça, tout simplement. J'espère qu'il va pas perdre autant, quoi. Ça serait quand même dommage. Ah, c'est Phil Collins, c'est cool. Et là, il a un problème ici. Un problème là. Bon, un problème là, mais bon, je pense que maintenant c'est plus des pierres poubelles qu'autre chose. On verra, hein, peut-être que je me trompe. Moi, je dois surveiller quand même ça, on sait jamais. Ici, normalement, il va en G8. S'il va en G8, comment est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on peut aller là, attaque, Atari, on connecte? S'il va là, on peut aller là, mais du coup il peut couper, c'est compliqué. On peut aller ici. On peut aller là, tac, tac, tac. Ah, ça peut peut-être se jouer ça. Je me demande. S'il va ici. Tac. Ouais, du coup il y va pas. Du coup il n'y va pas. Il l'a bien vu, que ça marchait pas. Mais le problème, c'est que si je viens là... Atari, tac... Il va là, je vais ici... Il sort, on connecte en dur... Il coupe... Et nous, on va jouer... On va jouer par là, j'imagine. C'est pas évident. Est-ce qu'on ose couper ici, en fait? Est-ce que c'est pas un peu risqué? C'est peut-être un petit peu risqué, quand même. Je me demande.
On a pas mal de liberté, mais lui aussi. On n'a pas deux yeux sûrs, parce que même s'il joue là, on a l'impression qu'il y a un œil ici, mais il peut faire ce coup. Ah bah non, j'irai là. Ah non, je pense qu'on peut faire du coup. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Même on a un B15 au cas où. Rien que ça. Du coup, il vient pour essayer de vivre ici. On va venir là. Il vient ici. On poursuit en allant là, j'imagine. Non, on poursuit en allant ici. S'il pousse, on va là. Ça menace un peu le coin. Et même s'il rajoute un coup ici, on peut aller là. Je crois. Si je dis pas de bêtises, là. Accroché comme ça. Ce qu'il y a, c'est que oui, même s'il va là, que je vais ici, on peut penser qu'il y a la menace de connexion noire ici. Mais il peut d'abord aller là, ce qui menace de connecter aussi, donc ça serait embêtant. Donc il faut d'abord que j'aille là. Ça a l'air suffisamment chiant comme ça pour lui. S'il vient ici, on vient là tout simplement. Et s'il descend, on va là. S'il capture, on va en A10. Donc c'est Mihai. Ouais, courage à toi, Zoggy. Ouais, c'est la merde pour lui. Hein. J'ai l'impression qu'il est mort. On va voir comment... Comment il s'en sort. Mais il a trop tenté des trucs un peu bizarres dès le début, là. Ça se voit, il a plein de petits groupes dès le début. Je vois pas comment il vit ici. Vous voyez une manière de vivre pour... blanc là, un moyen de vivre. J'en vois pas. Si je joue directement ici, je vais là. Faire atterrir comme ça, je vais là. Il fait atterrir là, je capture. Il refait atterrir là, je vais là. Tac, tac, tac. Bon, ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud, ça a l'air chaud pour lui. On va passer à la musique suivante, il y a encore beaucoup de... Ah bah c'est bon. Je pense encore Phil Collins, c'est Genesis. On arrive en période électorale en Belgique. Ça va exister pour combien de temps encore la Belgique du coup? C'est la question. Tes problèmes à toi. Ouais, je suis pas sûr que tout se soigne encore. Mais... on va aller là. Ou prendre la pierre en fait. Si je prends la pierre qui va là, je vais ici. Il veut menacer de faire ça. Tac tac, elle est là. Tac tac, et que je connecte et qu'il capture tout. Ah non, parce que je pourrais capturer là. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire là? Ou alors on fait tout simplement atterrir ici. Ça a l'air pas mal. Ça menace de faire mon deuxième œil directement ici. S'il connecte, je connecte.
Ou alors il a lu un genre machiavélique là. Ouais, j'ai une menace d'œil ici aussi. Ok. On a aussi la menace de jouer en P14. Il doit connecter ici, on joue là, ça retire l'œil, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'il cherche ici? S'il fait ça, je vais là. Il fait ça, je capture ici. Je peux revenir là. Ça a l'air compliqué là ce qu'il propose quand même. Ok. Alors. On va connecter ici, non? Même s'il coupe là, on revient là. Ouais, ça a l'air bon. S'il reconnecte ici, on va là. En fait, qu'il aille là ou là, on aurait été là. Là, on va ici, ça menace de faire le deuxième œil là. Donc il a pas envie qu'on fasse un deuxième œil, et on revient le faire ici, par exemple. Pour dire, là, c'est vivant, et ça... même si tu fais atterrir ici, tac, et que t'essayes un grand Kema quelque chose, un grand Geta quelque chose, c'est ça a l'air chaud, quoi. Tac, tac, même un... Continue comme ça. Bon, au pire, je continue en hobby, je m'en fiche, quoi. On va sortir en... Ça pourrait être risqué de faire des coups comme ça, en fait. Donc on va faire solide. On va sortir en Kosumi. Même s'il fait Atari, je vois pas de manière de capturer ses pierres. Ça a l'air compliqué pour lui. Peut-être qu'il va me faire courir pour essayer d'attaquer ça. C'est dur, quoi. C'est très dur. Bon, Nobi, hein, je m'en fiche. Si tu meurs ici, j'ai gagné, donc je m'en fiche de que ce soit pas solide. Pas que ce soit pas beau plutôt, justement c'est solide. Ici on va faire les formes nécessaires de sorte de faire deux yeux. N'importe quel moment on peut revenir ici pour en faire un. Ah non, parce qu'il a ça. On doit faire deux yeux ici. Ça, il fait des belles formes. J'ai peut-être été trop mou ici. Faut faire attention quand même. Je pense que s'il descend ici, je dois aller en F5. Ça menace de faire un œil là. Et s'il empêche l'œil là, je joue en E3. Ce qui en ferait un ici, hein, là. Ça devrait aller, mais je me suis quand même vachement écrasé. Du coup, il cherche une manière là de tuer ça. Et s'il commence par ce coup, ben, je peux juste aller en H2 et c'est fini. Ouais. Ça va finir en abandon, ça, je pense. Peut-être qu'il bug encore, hein, c'est pour ça qu'il met du temps à jouer. Qu'il y a, c'est que s'il meurt ici, c'est énorme. On a plus de points ici parce qu'il faut voir double ce territoire en fait. Ça fait plus de points que là, là et là réunis. Il a ça, une grosse baguette. On ne sait pas trop ce qu'il en fait. Il doit s'en occuper. Et on a un gros potentiel ici. Plus ici, noir est plus installé que blanc. Donc, si tu meurs là, c'est fini quoi, tout ça. Du coup, il revient attaquer. Et du coup, nous, on continue à sortir. Il vise la coupe ici, je pense. Je pense que c'est ça. Et qu'il vise à créer un truc séquent de ce côté. On va pousser là. Il faut que je fasse attention au point ici, ok.
C'était trop tentant de percer ici. Il a trop laissé de faiblesse, il peut pas. Par contre, si on connecte ça et ça... C'est triste. La musique ne commence pas ? Ah non. T'avais posé faux. Et là, il s'est compliqué la tâche ici. Hein. Je... C'est pas facile. Du coup, il revient là maintenant. Du coup, on va jouer ici. Et s'il vient là, on joue là. En fait, pas parce qu'il joue par ici. On joue là, j'ai l'impression. Ah non, il peut jouer ça. On joue là, mais il devra continuer. Et là, on joue. Ouais, bon, ça va. Ça va, ça va. Il n'y a plus de... Il n'y a plus vraiment de solution pour blanc. Là. Je cherche. Hein. N'hésitez pas à me dire hein, si on vous envoyait. Ça parle de malheur de dos là dans le chat. Alors. Qui tente. Il tente, il tente, il veut sauver une partie. Est-ce que ça va marcher? Peut-être, ouais. Tac, tac. Non, si je vais là, il va ici. Du coup, je dois connecter. Et ensuite il connecte, je connecte, tac. Ouais, il va sauver son groupe. Ah, j'avais pas vu ça. Ou alors quand je fais ça, et qu'il vient ici, je capture. Et s'il coupe, je capture. Voire je viens ici pour faire un deuxième œil. Donc en fait non, j'ai l'impression que ça va. Ça se passe bien pour Noir. J'ai peut-être fait une bêtise. On va voir. Peut-être fait une bêtise ici. Je vais ici. Il est obligé de connecter quasiment. Et là, c'était chaud pour... C'est chaud pour Noir. Ah ouais, je suis mort en fait. Aïe aïe aïe, j'ai fait l'idiot. J'ai fait l'idiot là, je crois. Il vit parce que je fais une erreur. Zut.
Tac. Ifatari, je vais là. Iconnect ici, je vais là. S'il continue, on va là, mais il peut capturer, donc ça change rien. Donc on fait Atari ici. Il irait là. Ensuite, quand on protège, il va là, tac, et il peut faire Atari sur le tout. Donc je suis mort. Donc il fait des points en plus. Et il est vivant partout, alors que tout à l'heure, là, je pouvais connecter ici tout simplement et au moins prendre ça. Aïe, 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 quelle catastrophe. On va jouer là, hein. Menacé de jouer très gros. Mais ici, on a fait n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Compliqué. Comment on connecte ça? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le Sensen complètement ouvert, donc même si je ferme par ici, ben, il peut le Sensen. Aïe 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 aïe. On va attaquer un peu. Bien par là, on se sépare durement. On a toujours la descente ici hein, qui est menaçante. Donc il faudra faire attention à tout ce groupe. Alors il peut jouer ça pour protéger justement. Ah, j'ai mal joué ce coup, hein, c'est bête. C'est bête, c'est bête. On vient là, on protège nos coupes. Hein. Je pensais qu'ils viendraient dedans. On empêche de connecter. Il est pas d'accord. Elle est là. S'il prend la pierre, on descend une première fois. Et on essaie de prendre tout le centre. Donc il ne veut pas ça. Ah, il est gourmand là par contre. Il est gourmand. Atari. Ah, c'est gourmand quand même ce qu'il fait là. Ouais. Atari ici d'abord, on connecte, puis il fait ici, on connecte. Comment il fait ensuite? Il faut vivre là maintenant à l'intérieur. Puis une fois qu'il a vécu, s'il est pas senté, ben il faudra tuer ça. Ok, il va couper comme une brute. C'est pas évident, hein. Je fais un peu n'importe quoi. Ah non, il a juste à connecter en obi ici. J'irai là alors. Ah là là, c'est compliqué. Hein. La partie s'est complètement retournée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Pauline, que tu dis, ouais.
On va retourner comme une crêpe bretonne. C'est ça. Une crêpe, quoi. Tac, tac. J'atterris ici. En vrai, est-ce que c'est si important cette pierre? Parce que même si la capture, ça serait un faux œil. Moi, je m'attendais à un hobby ici. Hein. En vrai, est-ce que c'est pas ma chance de me casser? Et dire ok, prends la pierre, mais tu meurs en gros. J'ai l'impression quand même. Là, il va regretter, ouais, il va regretter maintenant. Enfin, il faut encore que je vive avec ce truc. Bon, là, on ferait quoi? On ferait la connexion bambou. Et il connecte ici, par exemple. Du coup, on fera la taille là, tac, et on peut sortir. Non, non, il est obligé de sortir comme ça. Mais... Il n'y a pas de mais, en fait, ça serait compliqué pour moi. On n'a pas trop le choix déjà de ça, parce que sinon il revient prendre des pierres. Et il sort là d'abord. Et là c'est problématique, parce que si je défends, il revient là. C'est des coups d'un mec qui veut tout de suite. Si je défends, il vient là. Ou ici. Et c'est la galère. Tac, s'il va là. Tac, tac, je vais ici. Coupe. Je vais là. Mais j'ai plus que 3 libertés, il est 3, donc c'est foutu pour moi. Si je protège, et... bon, de toute façon, il viendrait là, du coup, si ça marche. À moins que... Quand je protège... S'il va ici, je vais là, on a dit. Il va ici, je vais là. Ouais, mais je suis goté. Je suis goté. On va devoir sacrifier ici. À moins que... Quand je vais là... Et qu'il protège comme ça ou comme ça, peu importe. J'ai combien de liberté? 5. Je vais ici. S'il coupe, je vais là. Il va ici, je vais là, il va là, je vais ici, il me capture. Ok, non. J'ai rien dit. Tac. Coupe. Ah, il sort. Si je vais là et qu'il coupe, je vais ici d'abord. Il irait là, je vais là. Et là, il peut plus bouger. Donc, il irait ici. Si je vais là, il va là plutôt. Je continue. Il me pousse. Je vais là. Je peux pas parce que ça attaque ses pierres. Donc, il me poussera encore. Je vais là. Mais là, ça attaque ses pierres là. Ouais, je vais le tenter. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Et je m'en fiche de ce coup du coup. On fiche, c'est énorme. Hop. Je m'en fiche. Et on protège avec un truc année. On va bien obtenir quelque chose en compliquant la situation ici. Ce qu'il y a, c'est est-ce que j'ai assez de points dans la partie là? Il faudrait que je compte, mais j'ai plus beaucoup de temps. Ouais, je vais juste essayer de jouer le mieux possible. Après, on a un gros truc ici, quand même. Ah, d'accord. Il connecte en dur. Attention, hein. Il n'y a pas encore deux yeux, toute cette forme. Est-ce qu'il peut se permettre vraiment de faire ça? Il va jouer par ici, du coup? Ça semble correct.
On va venir par là, nous. On va venir comme ça. Parce qu'il est obligé de connecter. Est-ce que je risque quelque chose quand il va là? Tac, il pousse, tac. Il coupe. Ouais, mais je connecte là. Donc non, je risque rien. Oh, je vois ici. Mince, j'ai perdu la période. Zut. Je voulais jouer rapidement pour pas la perdre là. Il me reste une seconde, vous voyez. J'aurais dû rajouter un coup ici. Mince. Ah oh, oui. Oups. Aïe aïe aïe. J'ai fait l'idiot. Trop focus sur ici. Bon bah tant pis, on va continuer sur notre idée. Mais oui, là, je suis mort. Ah, j'ai fait le con encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Du coup, on va essayer de prendre tout ça. Ou ça. Ou bien se rembourser. Mais je suis pas sûr que ça vaille autant. Parce que là, s'il joue... par exemple le K2, et que je reviens prendre, tac, tac, il capture la pierre. Ah, je sais pas si ça vaut, quoi. Après ici, j'ai un point de coupe. Donc à voir. Si je joue un coup comme S18... Je me demande s'il n'y a pas des choses à explorer. Il lui reste pas beaucoup de période. D'accord. C'est pas un peu risqué ça? S'il perd tout ça, c'est plus gros que le coin, non? Alors, ok. Ok, ok. Je vais capturer directement la pierre, je pense. Mettre fin à la G de ce côté. Est-ce que ça met vraiment fin à la G de ce côté? Parce qu'il peut quand même jouer là. On va ici. Il remonte. Non, ça capturait. Donc déjà, on capture la pierre. On perd pas de période supplémentaire. Et si je joue là, bah on va ici, c'est pas un œil. Il y a une forme en 5, un peu... Donc il menace aussi de tuer ça. Attention, puisque depuis tout à l'heure, il y a ça qui traîne un petit peu. J'ai l'impression que j'ai... J'ai quand même l'impression que... Même si je joue Tenuki ici, si je joue en premier... Non, peut-être qu'il faut que je joue quand même. On va aller là. Sortir le maximum de liberté. Et c'est santé. Ça menace de faire un faux œil avec ça. On menace d'aller ici. Ça menace de connecter. De toute façon, s'il joue ici, on fait un faux œil avec ça. Et imaginons ici, il empêche de faire l'œil. En fait, c'est pas grave, on sacrifie deux pierres et on fait notre œil, nos deux yeux ici. Tout simplement.
S'il joue ici, on joue là. S'il joue là, on joue ici. Ce qu'il y a, c'est quand il joue ici et qu'on joue là, qu'est-ce qui se passe quand il revient ici? Tac, il peut créer un coup. On revient. Il y a quand même un faux œil. Donc il est mort, non? Si je me trompe pas. Je me suis déjà trompé plusieurs fois dans la partie, donc... un peu idiot, mon coup. Oui, c'est complètement idiot. Je comprends même pas trop mon coup, mais... Bah, il peut connecter et c'est fini. J'aurais pas dû jouer le S17. C'est bizarre. Parce que là je perds le timing de jeu là et de menacer. Ah zut, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Attention lui aussi quand même par contre, tu peux pas tout forcer comme ça non plus. Ok, ça a l'air de bien passer pour lui. Il a envie de capturer là et de menacer de tuer tout ça. J'ai bien l'impression. Ah oui, d'accord, il avait peur de mourir. On va quand même couper pour me obliger à rajouter des coups. Ah bah non, ici ça rajoute, ça oblige pas. Parce que si je vais là et qu'il va ici, il n'y a pas taille sur ces pierres donc. Si, si, je suis mort, ouais. Mais je me demande s'il n'y a pas des petits trucs à exploiter, mais bon, c'est peut-être un peu le overplay. Si, si, j'ai fait n'importe quoi dans le coin, hein, c'est vrai. C'est bordel par contre, ouais. Pourquoi ce coup? Ok, on va connecter ici. Il va jouer là, et nous on joue là. Ouais, c'est vrai que c'est un pugil là, comme vous dites. Je saurais pas dire qui gagne là. Attends, c'est. On va vivre quand même. On est vivant. Il n'y a pas beaucoup de groupes dans la partie qui peuvent dire ça, donc. En soi, on capture beaucoup de pierres. Et lui aussi, ici, ici, ici. Ah là 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 là. Ok, maintenant il veut tuer ça. La violence. Aïe aïe aïe. On va jouer là.
En vrai, je vois pas comment il me tue, mais... On sait jamais. Faut faire attention. S'il joue ici... Je vais là, qui fait Atari, je vais là, il capture, je vais ici... Ouais, attention. Attention quand même. Oh là là. Ça par contre, c'est pas très fin comme coup. Ok, on recule un peu. Ça me rajoute des points. Hein. Ah bah non, je rejoue aussi. C'est pas les règles. Mais... Par contre, elle est épuisante comme partie un peu. Ça fait combien de temps qu'on joue? Parce que j'ai commencé dès le début du stream en soi. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai le temps du stream? Ici, plus d'une heure. Une heure de trop. Ouais, non, mais là, je suis claqué. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs ici? Bon, peut-être que je vais rajouter mon coup là d'abord. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On va poser une question ici, Joe. Ah, c'est intéressant, il a pas fait le coup que je m'attendais. On va faire Atari ici. 1, 2, 3, 4, 5 liberté. On va rajouter ça, on va faire gaffe quand même. Ce serait bête de mourir. Voilà, 3 libertés maintenant. On est quand même un peu plus heureux. S'il va ici... On va là. Donc ça va. Parce que s'il va ici, on n'a plus que 3 libertés là également. Donc ouais. On peut jouer ailleurs. On va sauter là. Parce que attention, maintenant, quand on joue ici, c'est pas un œil ça. Donc, faut vivre. Et en vrai, un coup comme P1 peut tuer le coin. Ce serait catastrophique. On va faire des crêpes bien d'ailleurs bientôt nous aussi. Ouais. C'est une bonne idée ça, Crow. Crow 29, au début j'ai cru que t'étais du Finistère du coup. Comme moi. Mais non, t'es un peu plus loin. Du coup il vient attaquer là-bas. On va jouer ici. Vous me donnez faim là. Ah ouais, bah les crêpes en même temps. Oh, pas béni des dieux. Je peux pas faire le truc du J16. Parce que je fais Atari, tac, ouais, voilà, du coup il protège d'abord. Je sais pas, on va jouer ça, j'imagine. S'il vient là, tac, tac, on a quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7 libertés. On est large. Il aurait été nous qui plusieurs fois quand même. Ouais, 7 libertés contre 3. Bon. Oui, certes. Bon, on va jouer ailleurs. Tu peux mourir ici, non?
peut même pas couper ces trois pierres, j'ai l'impression. Tac. Et s'il vient là, je vais là. Et c'est moche, hein, mais c'est connecté. Il pourrait faire ça, tac. Il refait atterrir ici, je connecte, il fait atterrir là. Non, on va pas le faire ça, en fait. On va juste connecter ici, c'est une forme en 5, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait, là, ici? S'il joue là, je joue là. S'il connecte, je peux faire atterrir. S'il me pousse là, je vais là. Il est mort. Il est mort, hein, tout simplement. Peut-être qu'il peut jouer ce coup. Je joue là. Il revient. Je vais là. En vrai, il n'y a que du noir derrière, donc je m'en fiche en fait qu'il joue ça, je réponds pas, non? Ah, il abandonne, il est mort, hein. Oh là là, c'est un massacre cette partie, hein. Un massacre. On lui dit merci pour la partie. Bon ben, c'était cool. Ça va aller sur YouTube, ça, ça va être bien. Salut les YouTubiens. Si vous avez aimé la petite vidéo, là, du coup, je pense que je vais mettre juste celle-ci, là. C'était un bordel sans nom, mais c'est sympa de voir un peu du combat de temps en temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Et à venir nous rejoindre sur Twitch des fois aussi, si vous voulez, les mardis et jeudi soir. Voilà, salut. J'ai pas tout compris, je vais vous montrer ça. Ici, ce que je voyais, c'était... mince, peut-être pas celui-là, mais... Ici, là, on voit une forme de... en 5. Donc, pour moi, il était mort. Si je jouais P1, la forme en 5. T'es après que t'as pas compris? Si je joue ici, il est vivant. Si... Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? S'il joue ici, en fait... Je peux tout simplement faire ça, même s'il sort... Enfin, il est pas vivant là, et il n'y a pas deux yeux ici non plus, en fait, il n'y a pas d'œil, donc il peut... Il est mort partout. Donc c'est compliqué. L'état global de la partie, quels groupes sont morts et quels groupes sont vivants? Alors, est mort ce groupe-là. Ce groupe-là. Ce groupe-là. Ce groupe-là. Mais ce groupe-là aussi. Ce groupe-là. Ouais, c'est... Beaucoup de choses qui sont mortes, ouais. C'est pourtant clair, non? Ah ouais, ouais. Bordélique. Bordélique, bordélique. Je sais pas s'il voit plus clair, là. On va regarder ça un peu depuis le début. Donc ici, ça commence classique, mais là, direct, cette invasion, c'est clairement de la jalousie ici, donc... c'est un peu dangereux. En vrai, tu prends le Sansan, par exemple. Ici, on connecte, il vient là. Et pourquoi pas plus tard, peu importe ce qui s'est passé, je fais n'importe quoi, il pourra venir par là pour réduire quelque chose. Et écraser mes points. Pourquoi pas? Mais venir direct faire un deuxième coup dedans en ignorant sa pierre, alors que derrière j'ai une formation très solide, c'est un peu bizarre. En fait, ce genre de coup, il peut se jouer si ici... comment ça se joue déjà? Je sais plus. Imaginons... Tac. 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 Et ça, c'est comme ça, on va dire. Je sais pas pourquoi j'ai mis passer du coup si je fais ça. Et quand il approche là, que je fais ça, là, il peut faire une contre-pince. Là, c'est envisageable. Parce que il a un mur derrière.
Donc c'est envisageable. C'est logique. Ça remenace de développer un moyau. Mais dans notre situation, c'est pas raisonnable en fait. Cette pierre qui est censée attaquer la mienne, est en fait une pierre attaquée directement. Donc c'est chaud. Ici, si on compte en fait, il y a 1, 2, 3 groupes faibles. Problème, c'est que quand noir saute, blanc ne peut pas sauter à la fois ici et ici. Donc, noir va forcément mieux s'en sortir. Ouais, j'avais pas raté le dernier, je comprenais pas pourquoi il... Ouais, bah oui, ouais. Oui. D'ailleurs, bon, peut-être que le saut était très bien pour ma part, hein, mais bon. Du coup, je vais là. Et ici, oui, il avait plusieurs solutions, en fait. Par exemple, le plus classique. Il pouvait tenter... C'est pas facile, hein, mais... Il y a rien de... Non. Il y a rien de bien évident ici pour blanc. Donc, que je voyais, c'était peut-être ça, quelque chose du genre. Et il, en fait, il fait quasiment pas de points. Et nous, on fait un mur quasi sans faille. On peut étendre ou peut-être protéger notre forme. Parce que ces trois pierres, on dit souvent qu'elles ont une faiblesse ici. Tac, tac, tac. Et ce que je voyais aussi quand je répondais là, c'est qu'il pourrait peut-être jouer là. Je capture. Il connecte, mais on pousse, on a une forme quasi parfaite ici, c'est incroyable en fait. Oui, effectivement, il se fait plus de points que dans d'autres séquences, mais notre mur est pas comparable non plus. On peut approcher par exemple de ce côté, ce qui n'est pas original, le Komoku, mais quand on regarde ce qu'il y a derrière, on se dit ouais, c'est logique en fait, de menacer de développer là. Lui, s'il est tenté de prendre le coin, c'est immense quoi, c'est vraiment immense. Hop, du coup il a préféré connecter, il voulait pas ce genre de séquence, je comprends. Du coup il prend le quoi. Et le noir est content aussi. Peut-être que dans ce genre de séquence, du coup je le connecte en plus solide. On a vu que ça a dérangé plus tard quand même. Ici j'attaque. Peut-être que je peux attaquer directement cette pierre. Mais je me suis dit, dans ma logique, c'était... Il va vouloir sauver les deux, a priori, vu son style de début. Donc, en sortant un coup sur deux, voilà, c'est encore la même chose. Hein, c'est... Tac. Il y a un groupe instable à sortir pour noir, et deux pierres isolées blanches. Quand il va sortir d'un côté, et que noir sort de l'autre, il ne peut pas rajouter un coup de chaque côté à chaque fois. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, tout simplement. Donc encore une fois, c'est on attaque. Il sort avec un Kema, ce qui est pas très solide, hein, c'est coupable. Là, tout de suite, non. Il ferait ça, tac, et il s'installe. Ça serait un peu trop gentil de faire ça. Et si on coupe plus brutalement, comme ça... je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose de très intéressant, encore une fois. Ça a l'air compliqué. En vrai, au maximum, on obtient ça. Tac. Et bien, ça, c'est là. C'est un peu mieux que l'autre, je pense. C'est un petit peu mieux que l'autre. Sachant qu'on peut revenir couvrir. Pourquoi pas. Ça, c'est peut-être envisageable. Et en plus, ici, il se sentira peut-être obligé de rajouter un coup, parce que on voit bien que... je joue n'importe quoi ici. Si c'est le noir qui vient, il y a direct une pression. Hop. Ici, ouais, c'était un coup sympa, je pense. Mais la pression, du coup, peut-être que je devais... J'ai hésité avec ce genre de coup. Et tant qu'il monte, je monte. Et en fait, à un moment, il devra sortir et... Je joue le Toby, c'est compliqué. Ou même, hein. Je continue d'attaquer comme un bourrin, et il doit connecter et on sort et on... Il sait pas comment faire pour sauver les deux. J'ai hésité. Ici, il attaque. Protège. Ici, je me disais que si je faisais ça, il pouvait jouer ça, je disais tout à l'heure.
Effectivement, je pourrais prendre le bord, hein, mais menacer de faire des trucs comme ça, et ça menace la coupe ici. Mais en fait, maintenant, en le voyant plus concrètement, les pierres qui sont posées, ça n'a pas l'air si dangereux non plus, en fait, parce que la coupe ici. On continue juste comme ça, et il doit protéger cette pierre. Nous, on vient prendre ça. En fait, non, c'est pas fou pour blanc non plus. J'ai trop réfléchi ici, alors qu'il n'y avait pas besoin. J'ai joué solide. Peut-être que j'étais trop gentil, du coup. Il a pu stabiliser un peu. C'est dommage. Ici, on se fait un début de mur sympathique. On attaque. Peut-être que je dois prendre un chichou. Ça m'aurait évité des problèmes plus tard. Et même s'il vient prendre le coin, on prend un chichou en grand. On met une pierre sur le chemin du chichou, pas trop loin. Souvent, on retrouvera, si vous voulez prendre en grand, un chichou. C'est ce grand Kema qu'on appelle Ogema. Hop, il protège d'une manière bizarre. On vient là, ça annule son chichou ici. Mais peut-être qu'il fallait pas sortir comme ça en fait. Là maintenant, en voyant la forme, je me dis peut-être que des coups comme ça, c'est pas si mal non plus, parce que quand il sort, en fait, n'importe quel moment on a ça, et il y a pas d'œil là, donc ça fait juste un pâté. En fait, il y avait plein de façons différentes d'attaquer. C'est plus facile de voir quand on a un œil extérieur à la partie. Là ici, je le renforce peut-être un peu trop encore. Bon, par contre, ici, il veut tout sauver, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des choses importantes encore? Mais ici, est-ce que je pouvais tuer? On sort. Tac. À quel moment j'aurais dû rajouter un coup? Ouais, et ça, c'est pas mal son coup, hein, je pense. C'est pas mal son coup. À quel moment je... Enfin, ici, je suis un peu obligé de répondre. Et... peut-être ici, je suis plus obligé. Et je viens là. Parce que même s'il couvre, Atari, et même s'il fait les Atari ici, on protège. Et il peut rien faire, il est obligé de protéger. On a trop de liberté encore ici. Donc il protège. Et c'est pas beau. C'est pas beau, mais on sort. Il peut prendre la pierre là, il faudra faire attention à ses pierres. Mais en vrai, si on tue ça, c'est juste énorme en fait, quoi. Donc ouais, j'aurais dû faire plus attention à ce moment-là. Ici, du coup, hein, c'est pas grave. Je dois répondre là. Il protège sa pierre et je peux couper ici. Et c'est quand même un... C'est un petit gain, c'est sympathique. Plus tard, dans la partie, j'aurai des menaces de coup assez nombreuses. Donc ça va en fait, j'aurais pu jouer comme ça. Là j'ai été trop gourmand, ouais, ça marche pas du tout. On attaque... ici je me demande si... Moi ce que je voyais dans la séquence ici c'est ça. Il pousse, le patard ici. Et je coupe là. Et il revient ici. De toute façon ici on a tué, à la fin. Donc au moins là il est installé et tranquille en vrai. Le problème c'est qu'il donne un santé, c'est vrai. Et du coup je viens juste là, ça verrouille à mort le coin. Ça dit quoi les cimateurs par exemple? Le noir est largement en avance, ouais. C'est compliqué. Compliqué, compliqué. Tac, tac. Après je pense qu'il n'y a plus rien de très intéressant à voir. Si, si, peut-être. Je fais un peu l'idiot, là, le Tenuki. Enfin, même, de toute façon, la séquence est douteuse. Bon, il vient là, je dois venir là, ça le renforce, mais je viens vivre, quoi. Tout simplement. Il reste de la DJ pour attaquer, donc il devra revenir renforcer un moment, et là, je fais mon coup si je veux. Faut être patient, des fois. Là, c'est trop agressif, c'est abusif, le Q14. Je pense pas à ma vie. Encore moins là. Ouais, c'est pas bon. Ici, je peux encore jouer ça. Je peux pas aller là. Ça fait Atari et on capture. Donc ici, il fait ça, je vais là et on est vivant, je pense. Par exemple. Ouais. Dommage. Après, ce coup a permis de tuer en bas, hein, mais bon. C'était imprévu.
Ici, il meurt. On l'a expliqué dans la partie. Et ici, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Le truc, c'est que si on vient là, tac, tac, on a qu'un œil. Peut-être qu'on doit jouer là. Mais non, c'est compliqué de toute façon, c'est compliqué, on est déjà mort en fait, tout simplement. J'aurais dû utiliser ça en menace de cause s'il y avait un commandement par exemple. Là, je lui donne des points en fait, et j'ai affaibli le groupe ici. Alors que... à ce moment-là, le groupe est un peu plus tranquille là, et je viens tout simplement faire ma séquence ici. Plus simple. Oui. Voilà. Bon. Sympathique comme partie. Sympathique, sympathique. Ouais, ils disent de revenir ici, là, maman aussi. Okay. Sympathique. Bon, on va s'arrêter là. Je suis un peu fatigué, donc je vais vous dire à jeudi. Et s'il y a encore des personnes qui ont pas follow la chaîne, je vous invite à la follow. Pour être prévenu des prochains streams, tout simplement. Et c'est les mardis et les jeudis soirs à 20h30, globalement. Voilà, voilà. Je vous dis... à jeudi soir. Et bonne soirée à tous, bonne semaine. Au courage pour ceux qui travaillent demain. Allez, salut.